power to the people. All power to the people. All power to the people. Sécuritaire que l'on a connu dans la période qui a immédiatement fait suite au... Donc elle s'inscrit évidemment dans le temps long, mais elle a pris une dimension nouvelle avec ce tournant sécuritaire à la suite des attentats de Paris et qui s'est renforcé ensuite avec les attentats de Bruxelles. Et ce renforcement du dispositif sécuritaire post-attentat, il a eu en effet des conséquences très concrètes et très visibles sur le territoire belge, comme le rehaussement permanent du niveau d'alerte et la présence permanente de militaires dans les grandes villes belges. Il y a eu l'adoption du plan Canal, qui a permis le contrôle de milliers de résidences et la fermeture de nombreuses associations à coloration musulmane, précisément dans un certain nombre de communes ici le long du canal. Il y a eu des mesures telles que le rallongement des détentions préventives de 24 heures à 48 heures. Il y a eu l'adoption, je cite un petit peu pêle-mêle comme ça, donc l'adoption de la loi qui étend la déchéance de nationalité, la loi dite de déportation, il y a environ un an, qui autorise désormais donc l'expulsion d'étrangers nés établis de longue date en Belgique sur la base de simples soupçons de troubles à l'ordre public. Et puis pour finir, il y a le dispositif sécuritaire qui se déploie de manière extrêmement féroce depuis plusieurs mois à l'égard des migrants et des sans-papiers qui font l'objet de véritables rafles jusque dans les transports en commun et dans les associations à vocation culturelle comme on a pu le voir donc le mois dernier. Et donc, loin de s'apaiser, ce climat sécuritaire se poursuit et il se recycle dans des formes particulières. Les différentes séquences que nous vivons maintenant depuis plus de deux ans reposent finalement, à mon sens, sur le même ressort, à savoir la désignation d'une menace intérieure qui justifierait l'adoption de mesures d'exception, et tout cela donc sur fond de lutte contre le terrorisme d'inspiration djihadiste. Il n'est à ce titre pas étonnant de voir que dans le discours politique, ces différentes séquences sont reliées les unes aux autres. Alors la mise en relation de ces séquences, elle se fait d'abord au niveau rhétorique. Ainsi, il était question pour Jambon de faire le ménage à Molenbeek après les attentats de Paris. Frankel, lui, a parlé de nettoyer le parc Maximilien en référence aux migrants qui s'y sont installés. Alors, à côté des effets purement rhétoriques, cette mise en relation, elle s'observe surtout dans le fait que chacun des dispositifs sécuritaires qui émergent d'une séquence particulière sert finalement de prétexte d'action lors d'une autre séquence. On sait ainsi, par exemple, que l'intervention tout à fait éloquente, en fait, au Globaroma le 9 février dernier, elle s'est faite, finalement, dans le cadre du plan Canal et de son extension à Belfi, qui autorise aujourd'hui donc, le contrôle renforcé des ASBL en matière de fraude sociale et de fraude fiscale. Et donc on voit que le plan Canal qui est destiné initialement à la lutte contre le terrorisme et bien finalement, il finit par justifier la chasse aux migrants et aux sans-papiers. Alors un autre exemple, eh bien,
C'est la politique de tolérance zéro qui a été proclamée dans la foulée des événements à la Bourse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en novembre dernier, lors de la qualification du Maroc à la Coupe du Monde. La célébration a été quelque peu gâchée par l'intervention des forces de l'ordre. Et donc ça a tourné un petit peu à ce qui a été qualifié d'émeute, en tout cas un certain nombre d'arrestations, etc. Et suite à cela, donc, une politique de tolérance zéro a été décrétée. Et cette politique de tolérance zéro, finalement, elle a servi de prétexte à intervenir lors de rassemblements ultérieurs, comme lors de la manifestation qui avait été organisée par des afrodescendants pour protester contre les pratiques d'esclavage en Libye et ailleurs. Et d'ailleurs, même dans le discours, le lien a été fait entre différentes séquences d'émeutes, je dirais, au cours du mois de novembre, en disant que c'est chaque fois les mêmes groupes qui viennent finalement mettre le bordel lors de ces rassemblements. Et je rajoute aussi que ces mêmes événements à la Bourse ont donné lieu à une proposition aussi étonnante que celle de mettre sur pied une police des migrants, comme si c'était la question migratoire qui était ce soir-là engagée. Or, c'était tout à fait à côté de la plaque. Mais donc, on voit qu'il y a une confusion, un amalgame qui est savamment entretenu par les politiques pour légitimer la prise de mesures d'exception et de mettre du lien, finalement, entre tous ces différents événements. Donc ça, c'est un petit peu pour faire le point donc, sur les différentes séquences qu'on a connues. Alors, quand on se place un peu dans une perspective, je dirais foucauldienne, la police, elle apparaît dans ce contexte comme étant à côté du dispositif militaire, mais la police apparaît comme l'appareil qui permet finalement d'assurer l'intégrité de l'État face à un ennemi ou à une menace intérieure au visage multiforme. D'abord les terroristes, et puis par capillarité, toute une série d'autres groupes, les musulmans, les binationaux, les migrants, et finalement tout ce qui est étranger ou considéré comme tel. Et donc dans ce contexte-là, la sauvegarde de la raison d'État justifie que la police, et par extension toutes les institutions qui participent à la politique sécuritaire établie, se place aux confins de toute considération morale et même légale. Et on en arrive par exemple à trouver normal de renvoyer des Soudanais à la torture dans ce contexte-là, en tout cas à trouver une justification. Donc voilà un petit peu la lecture que moi j'en fais. Il faut bien se rendre compte qu'on est... En général, quand on parle de la police, on parle des forces de l'ordre. Donc la police, est un peu détentrice de la force légitime. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on dévisse l'objectif premier de la police, qui est de protéger les citoyens et de faire respecter les droits fondamentaux. Cet objectif est un peu détourné, soit par les politiques, ou soit par le policier lui-même. On voit que, je vais vous donner un cas par exemple, le service juridique du MRAX, je ne sais pas si vous connaissez le MRAX, c'est le mouvement antiraciste ici en Belgique, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. On reçoit des plaintes de personnes qui se disent être victimes de violences policières. Et il y a de cela un an, j'ai reçu un monsieur, c'est le cas qui m'a le plus marqué parce que malheureusement, là, je suis un peu sortie de mon rôle de juriste. Je me suis projetée, malheureusement, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que ce monsieur était âgé d'une soixantaine d'années, il était noir, donc il aurait bien pu être mon père. Donc en pleine permanence, je me suis mise à pleurer avec lui alors qu'il était venu pour chercher mon soutien. Ce monsieur avait traversé, le feu était rouge. Il traverse au rouge, de l'autre côté, un policier vient et lui dit « Mais écoutez, monsieur, vous avez traversé au rouge. » Monsieur s'attendait à avoir une amende. Voilà, il n'a pas respecté le code de la route, on ne traverse pas quand le feu est rouge. Bon, au lieu d'avoir une amende, monsieur s'est retrouvé dans une camionnette de police en train de se faire tabasser. En plus des violences policières, monsieur a eu des propos racistes. Est-ce que vous avez déjà vu un belge noir? Voilà, tout ça. Je me suis projeté, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas réagir face à des
certains agissements de la police. La police est censée nous protéger, et quand on se retrouve face à une personne qui nous dit qu'un agent de police a détourné sa mission, sa fonction pour frapper un homme qui n'avait rien fait de mal. Et souvent, quand on entend ce genre de récit, on se dit toujours, mais en fait, la police, elle sert à quoi? Elle est censée me protéger, mais je commence à avoir peur de la police. On se souvient, je ne sais pas si vous avez entendu un moment en France, on disait, il faut que les jeunes aient peur de la police. Mais non, les gens doivent avoir confiance en la police. Et avec la violence policière, en France, la perte de confiance est totale. Parce que cet usage de la force est illégitime. Donc ça veut dire que dans certains cas, l'usage de la force est légitime. Si elle est légitime à un moment donné, dans certains cas, elle est légitime. Et quand cette force est légitime, on ne peut pas parler de violence policière. Et quand elle est illégitime, là, il y a violence policière. Et cette violence, elle peut être physique. Ça peut aussi être des propos racistes tenus. Ça peut être aussi une violence psychique. Et donc, j'ai une personne comme ça qui vient me dire qu'elle a été victime de violence policière, la première chose à faire, c'est de pouvoir en fait analyser est-ce qu'on est bien dans l'usage de la force illégitime ou légitime. Et ça peut parfois prendre du temps à analyser cette situation, parce qu'on n'est pas tous là en train de se dire « oui, en fait, il aurait dû voir si l'utilisation de cette force était légitime, donc est-ce qu'il y avait une loi qui permettait de pouvoir utiliser la force, est-ce qu'elle était proportionnée, est-ce qu'il n'aurait pas pu atteindre l'objectif de me faire cesser en fait l'infraction par une autre façon. » Et il y a aussi ce principe de, en fait, tu dois m'avertir avant d'utiliser la force. On ne peut pas utiliser la force n'importe quand et n'importe comment. La loi prévoit qu'elle doit avertir. Il y a 4 conditions dans la loi: légalité, subsidiarité, proportionnalité et avertissement préalable. Et souvent, les policiers disent, mais on n'a pas le temps pendant l'action de se demander si les 4 conditions sont remplies. Et donc, on est toujours un peu surpris. Nul n'est censé ignorer la loi. Les policiers, les plus fonctionnaires de police qui ont suivi des formations, sont censés connaître la loi sur la fonction de police et tout ce qui encadre leur mission. Et on se rend compte qu'en fait, non, les policiers ne respectent pas. Et avec le climat actuel, avec tout ce que tu viens de citer comme règles qui ont été adoptées au niveau de notre gouvernement, on sent vraiment que la police est utilisée à d'autres fins que des fins de protéger les citoyens. Oui, protéger les citoyens, mais les citoyens, on a presque l'impression, belgo-belge. Les autres, contre le faciès, descendent pour juste, là, le monsieur qui traversait un feu rouge, on va aggraver les choses alors que c'était une petite infraction au code de la route. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce climat de se dire, le climat sécuritaire fait que on n'a plus tellement confiance en la police quand on est personne d'origine étrangère, parce qu'on a toujours peur, en fait. Et cette peur, elle nous accompagne tous les jours quand on se balade dans la rue, qu'on croise des agents de police, on change le trottoir, des choses comme ça. Donc le climat sécuritaire, les violences policières entraînent une perte totale de confiance à l'égard des agents de police. Déjà sur l'analyse, normalement aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, comment le mécanisme, ou comment ça fonctionne aujourd'hui, le mécanisme, et comment ça fonctionne aujourd'hui la société. On sait bien que derrière des violences, il y a des approches politiques. Les violences policières aujourd'hui qu'on parle, c'est des violences qui viennent sous des arguments de sécurité ou sous des arguments d'essayer d'amener une approche sécuritaire dans la société. Ça amène vraiment cette violence contre les êtres humains et surtout contre des classes. Aujourd'hui, on voit par exemple, je veux vraiment partager une expérience d'un mouvement qui constate quotidiennement la violence policière. Vraiment, chaque jour, on le voit, chaque jour, on reçoit des téléphones, des camarades, des amis, des personnes qui témoignent sur des violences
qui sont venus d'une approche politique. Alors, sur la question des sans-papiers aujourd'hui, qui sont vraiment aujourd'hui considérés comme des personnes illégaux, tu as une politique qui vient pour les sachets, pour les expulser. Tu as un élément d'un pouvoir qui se donne à ces policiers-là pour réagir, pour les traiter comme les traiter comme vous le voyez. Alors, on a quelques tracts ou quelques actes de violence dans notre histoire, dans le mouvement des sans-papiers. C'est que le premier acte, c'est l'assassinat de Samira Adamo, qui était assassinée dans un avion, devant tout le monde, etc. Les suivants actes, ces dernières années, on a eu des expulsions d'une occupation des sans-papiers avec des centaines de policiers, deux hélicoptères à 4 heures du matin pour sacher 13 personnes et après les expulser. Tout simplement, c'est une manière de violence qu'on le voit aujourd'hui. On a dernièrement l'expulsion, il y a une photo, je crois, Kamal, qui peuvent après le montrer, d'une attaque avec des armes sur des sans-papiers, sur des gens innocents, avec des armes dernièrement, même pas 2 mois, c'est là, cette attaque. Et là, voilà, on est devant un État qui utilise le discours de la sécurité en même temps qui utilise la force et ce pouvoir-là pour sacher, pour tuer des rêves des gens, des rêves des innocents qui sont là. Aujourd'hui, on a des chiffres, par exemple, sur ces témoignages-là. On a toutes les centres fermés qui sont pleins des gens. Ça veut dire on a 680 places. Ça veut dire on a 680 cas de violence parce qu'ils sont arrêtés dans des contrôles, soit dans les villes, soit ailleurs. Et en même temps, il y a des violences à l'intérieur de ces centres fermés. Et ça, c'est des cas qui sont réels, qui sont là, on le voit, on a de tous ces témoignages-là. Alors, c'est tout ce contexte-là, ça, où toute cette violence-là, ça présente une approche politique qui vient d'une classe dominante aujourd'hui qui utilise le pouvoir pour que ça marche, leur vision, pour que ça marche, leur existence dans le pouvoir. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est devant plusieurs questions, parce qu'on parle sur la citoyenneté, on parle sur la démocratie, on parle sur les droits de l'homme, on parle sur ça, mais nous, comme des sans-papiers, tout ça, on voit que c'est du slogan pour vraiment influencer, diriger l'opinion publique vers des rêves qui ne sont pas vraiment la réalité. La citoyenneté, c'est quoi? C'est. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à des milliers de personnes qui sont des travailleurs, qui existent ici, qui sont dans l'exploitation et qui sont dans la réflexion de demander leur droit pour qu'ils contribuent dans la société, au niveau social, etc. Après, on le traite comme des inhumains et on les met dans une procédure de violence depuis l'arrestation jusqu'à l'expulsion. Alors, sincèrement, je vais commencer par après tout ce que je viens d'entendre, par une chose claire, concise. C'est que la situation est extrêmement grave. Voilà. Je vais pas faire l'alarmiste, mais de mon point de vue, de ce que j'ai vécu, la situation est vraiment catastrophique. Et c'est pas normal de commencer à avoir systématiquement peur, mais vraiment une peur viscérale, une fois qu'on aperçoit la police. Pour vous donner un exemple clair, il y a quelques jours, donc après toutes ces histoires de l'homme au chapeau, des arrestations, etc., vous avez peut-être suivi ça dans la presse, eh bien, ça ne s'arrête pas, en gros, dans le sens où vous vous taisez, où vous allez continuer à subir la répression. Donc, quand je parle de répression, je vais vous donner un fait concret. Il y a quelques jours, la semaine passée, je me rendais devant le SAMU social
enfin je baladais tout simplement, il était tard, je rentrais chez moi, et je vois des gens devant le SAMU social, une dizaine de personnes, il faisait, vous savez, la semaine passée, il faisait moins 9 degrés, je passe par là et je vois une dizaine de personnes, et j'entends, je vois des agents, des responsables, des personnes qui travaillent au SAMU social, avec leur veste bleue, pousser violemment et manquer de respect, clairement, en insultant, avec des mots qui étaient assez violents, les sans-papiers, enfin bref, les personnes qui étaient là à demander pour pouvoir dormir là. J'ai été alerté, j'ai roulé 50 mètres, 100 mètres, et j'ai pris ce mauvais réflexe de dire « bon, ça ne me regarde pas ». Donc quand je vois quelque chose, généralement j'ai le premier réflexe, avec une âme journalistique, la première chose que je dois faire, c'est de dénoncer, au moins rapporter un fait. Donc là, avec tout ce qui s'est passé, etc., je continue, je fais 50 mètres, je suis à vélo, et je m'arrête. Et je me dis, non, je ne peux pas. Je dois au moins, je suis témoin de ça, donc je dois au moins faire le minimum, donc rapporter. Si je ne peux pas changer la chose, au moins rapporter l'information. Donc je retourne sur place, je filme, je sors mon portable, et je filme, entre guillemets, une scène où on voit clairement les agents du SAMU social repousser violemment des personnes voulant dormir là. Et avec la simple raison, c'est qu'il est 22h30, les inscriptions sont terminées. Enfin bref, vous deviez appeler le 0800, etc. Ça n'a pas été fait, donc voilà, vous restez dehors. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une circulaire, enfin, il y a un arrêté communal qui a été déposé. Les personnes, on pouvait les arrêter, mais ils ne restent pas, on ne peut pas les laisser dans la rue à moins 9 degrés, ils ne vont peut-être pas survivre. Donc là, il y a non-assistance à personne en danger, et c'est clair, et je suis témoin de ça. Donc j'ai filmé ce qui a vraiment déplu aux agents du SAMU social, et donc voilà, je suis resté 2-3 minutes, et puis d'un coup, une dizaine de personnes du SAMU social se sont jetées sur moi pendant que je filmais avec mon téléphone et m'ont pris mon GSM. C'est d'ailleurs pourquoi je suis injoignable, je n'ai pas de téléphone actuellement. Donc ils m'ont vraiment littéralement violenté, ils étaient une dizaine à m'entourer, et ils ont utilisé la force. Et celui qui les avait envoyés, c'est le responsable du SAMU social, qui est... Donc là, j'ai déposé une plainte, mais c'est pas ça ça c'est un fait. Voilà, je vis ceci, je suis en première ligne en tant que journaliste, etc., j'ai l'habitude. Donc, mais qu'on prenne mon téléphone ou ma caméra, ça c'est un petit peu, c'est violent, voilà. Donc on me le prend, etc., je crie, bon, pour que quelqu'un appelle la police, j'ai difficile à avoir de l'aide, ça prend 15 minutes, et puis finalement, un passant appelle la police, ils arrivent après une dizaine de minutes. Mon GSM a disparu, les agents sont retournés dans le SAMU social, la police arrive, et donc dès que la police arrive, eh bien, le responsable du SAMU social sort, et donc voilà, la police, elle arrive, donc il y a deux policiers, un policier me demande ma version des faits, un autre demande la version des faits du responsable du SAMU social, et là, directement, c'est monsieur, vous, carte d'identité. Je t'opère, je donne ma carte d'identité, et je dis, mais monsieur aussi, vous ne lui demandez pas ça, on vous le demande à vous. D'accord, ok. Et puis c'est contre le mur. Donc c'est moi qui appelle la police, je me fais agresser, et je suis contre le mur, je vais être fouillé alors que le gars... Ok, bon, on va faire ça. C'est absurde, mais c'est complètement absurde ce qui se passe. Et je le vis quotidiennement, pratiquement. J'obtempère, et je raconte mes faits. Et alors il y a un témoin, c'est une personne qui voulait rentrer là, qui était un petit peu malheureusement un peu sous. Et qui disait, je l'ai vu, je suis témoin, il a été agressé, on lui a pris son téléphone, etc., etc., etc. Et l'agent du SAMU social le regarde, le responsable, tu ne dormiras plus ici, toi. Et ça se passe devant le policier. Je lui dis, mais vous écoutez, et on n'est pas là pour ça. Nous, on est là, dites-nous, pour votre agression. Donc je raconte ce qui se passe, je lui dis, j'ai été violenté par cette personne, etc. Et il me dit, oh, mais lui me dit que vous avez été provocant. Je lui dis, mais mon téléphone, on m'a volé mon téléphone, c'est pas une question de provocation. Donc on me fouille, et là, il tombe sur mon paquet de tabac, et c'est, monsieur, vous fumez du tabac? Oui. Et vous ne fumez pas autre chose? Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas... Je lui dis, mais attendez, là on croit rêver. Mais j'ai affaire à un policier, en fait, qui, à ce moment-là, a pris clairement une position en faveur du SAMU social, de la personne, du responsable. Je dis clairement, mon téléphone a été volé, donc je vais déposer une plainte, je ne vais pas laisser passer ça.
Puis il y a des caméras à l'assemblée sociale, donc même si on m'a volé mon téléphone, il y a des caméras qui ont filmé la scène. Donc, de toute façon, mon téléphone est sûrement tracé, avec cette histoire de l'homme au chapeau, etc. Donc ça ne va pas aller très loin. Et c'est ce que je leur disais, le téléphone est tracé, vous êtes mal. Donc voilà, en attendant, la police m'a dit, bah, écoutez, on va prendre votre plainte, hein. Ils ont pris ma plainte. Mais pendant une demi-heure, j'étais privé de liberté, en gros. Hein. C'est vous restez là, vous ne bougez pas. On m'a fouillé, mais vraiment, on m'a complètement fouillé, alors que la personne du SAMU social n'a même pas été identifiée, le responsable n'a même pas été fouillé, et ils ne sont même pas rentrés dans l'immeuble. Et quand je leur ai dit mon téléphone a été sûrement, ils sont rentrés avec dans l'immeuble, on n'a pas demandé de perquisition, on ne peut pas rentrer, etc. Vous savez. Donc elle a déposé une plainte, notez votre plainte, et puis de là, l'hôpital, donc je suis allé à l'hôpital. Un médecin m'a donné une incapacité d'une semaine. J'ai quand même été agressé par 10 personnes, c'est pas. Mais ça va. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est mon téléphone. Parce que j'avais la preuve dans ce téléphone de mon agression du SAMU social. Clairement. C'était avec des insultes, etc. Enfin, j'avais toutes les preuves dedans. Donc ça, c'est une chose que j'ai vécue. Et puis, pour vous terminer la chose, je rentre chez moi, je suis démoralisé. Je me sens en sécurité quand je suis chez moi, donc je rentre chez moi, je me suis fait menacer aussi par les gars du SAMU social, on va te retrouver, etc. Bref, j'essaie de faire passer ça, je rentre chez moi et indirectement je donne plus signe de vie parce que mon téléphone est inaccessible. Donc le temps d'aller rectifier ça, aller chez l'opérateur et tout ça, je reste sans téléphone et malheureusement je ne donne pas de nouvelles. Ce qui va lancer une genre de frayeur au sein des autorités. Alors il a disparu. Voilà, en gros c'est ça. Et on pose la question à ma famille, à des membres de ma famille, pour demander des nouvelles. Et là ma famille s'inquiète parce qu'elle voit la police. Hein. Non, on n'a pas de signe de vie de lui, etc. Et alors là, il y a un système, une machine qui s'enclenche. Et j'avais signalé également dans la presse qu'après toutes les perquisitions que j'avais vécues, etc. Maintenant je suis super prudent, j'ai installé une caméra de surveillance devant mon entrée. Là, j'ai envoyé une preuve justement à un ami ici pour être témoin de la chose. C'est assez effrayant parce qu'on voit débarquer deux policiers en uniforme, mais également quatre policiers, cinq, d'intervention. Donc ils sont cagoulés, machin truc, c'est Robocop. Et donc, ils arrivent dans l'escalier et moi j'habite. Enfin, je suis au sommet, et ils sont juste en dessous, et donc ils se cachent, etc. Mais la caméra les a filmés. Et donc, un policier monte en haut et va pour toquer. Et donc, moi, je suis chez moi. Il n'y a que la police qui toque chez moi. Hein. Et on ne sonne jamais. On monte chez moi. Donc j'ouvre, et j'ai une réaction où je tremble, en fait. Et je tremble parce que je me demande qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer à nouveau et donc il me regarde, il me dit, mais pourquoi vous tremblez, qu'est-ce qui se passe, etc. Je dis, attendez, vous arrivez en brigade d'intervention, oui, mais on n'a pas sorti les armes, ça va, ils ont été sympas, ils ont toqué, hein, ils n'ont pas défoncé la porte, ils ont été quand même corrects. Et puis ils m'ont dit, mais vous savez que tout le monde vous cherche, etc. Non, je ne savais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, mon téléphone, et je raconte, etc. Et là, c'est vraiment des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déposé une plainte, allez vérifier, vous allez voir que mon téléphone, j'ai déclaré qu'on l'a volé. Oui, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on peut regarder dans votre appartement? Vas-y, rentrez. Hein. Enfin, ils n'ont pas le droit, mais moi, j'ai rien à me reprocher et j'ai pas envie de compliquer la chose, donc rentrez. Sinon, généralement, c'est mandat de perquisition, je suis assez carré là-dessus. Et ils rentrent, etc. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Vous sortez pas, 3 jours, etc. Et il va pour regarder un peu dans tous mes documents. Et là, je dis clairement, on arrête là. Écoutez, moi, je n'ai pas de signe de vie parce que j'étais simplement démoralisé, etc. Donc j'attendais que ça passe. Et puis surtout, la réaction de la police suite à ma plainte, c'est ça qui m'a complètement démoralisé. C'est là que je me suis dit qu'il n'y a pas de justice en réalité. Et que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépendre de soi-même. Est-ce que je dois me balader avec une bombe lacrymogène? Est-ce que je dois demander un service de garde du corps privé? Est-ce que je dois demander la protection policière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me ferait plus peur d'ailleurs. Mais
Voilà, donc ça c'est la situation dans laquelle je suis, dans le sens où, pour être clair, un journaliste étranger, entre guillemets arabe, qui plus est musulman, est en première ligne, dans le sens où il est facile à abattre, entre guillemets. Il suffit de dire que cette personne est radicale pour qu'il y ait une machine qui s'enclenche et que tout le monde croit que vous êtes un radical ou un djihadiste ou un recruteur ou ce genre de bêtises sans fondement qui n'est pas prouvé. Mais ça reste dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, ça rentre dans les esprits. Et justement, ça crée un climat hyper malsain. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire à part témoigner de ma situation que je vis et voilà, c'est pas normal parce que je me dis, on est véritablement en train de devenir une dictature, clairement. Et c'est ceux qui sont en première ligne qui le constatent tous les jours. Et donc voilà, ils sont en train de disparaître petit à petit. Et je pense que voilà, si on ne réagit pas, si on ne s'organise pas face à ça, eh bien, on peut avoir peur pour un avenir futur. Voilà. Protéger le citoyen, en tout cas certaines catégories de citoyens. Et ici, ben, ce qu'on voit avec ton témoignage, c'est que une fois qu'on a revêtu ce costume infamant du terroriste, finalement, ben, on est d'autant plus pris dans cet engrenage dont il est très difficile finalement d'en sortir. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que effectivement, c'est ce que d'aucuns appellent le phénomène de fascisation lente de la société, en fait, qui est derrière finalement tous ces dispositifs sécuritaires, ces politiques extrêmement répressives. Il prend d'abord pour cible des figures indéfendables, en fait, celle du terroriste. Mais c'est la figure type de la figure indéfendable que les gens ne vont pas oser, pour laquelle les gens ne vont pas oser prendre position en disant c'est injuste ce qui lui arrive, et que c'est par cette porte-là, c'est par ce biais-là que ça s'immisce petit à petit et qu'on voit finalement que ce type de pratique entre et prend corps et vie, en fait. Je pourrais ajouter un processus. Au moment où j'étais journaliste, quand je travaillais, comme tout le monde, j'avais une vie comme tout le monde, j'étais pas connu en gros, c'est ce que je veux dire, j'ai pas eu l'histoire de l'homme au chapeau, eh bien, quelques années avant, j'ai commencé à avoir un esprit militant, à commencer à dénoncer, à sortir un peu de mon rôle journalistique dans le sens où la neutralité. Là, j'avais des convictions claires. Et par exemple, il y a un reportage que j'avais fait devant le centre 127 bis à Steenhoekerzeel, où je dénonçais un traitement inhumain, clairement. J'avais pris position en dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de journalistes, pas de politiciens sur place, etc., et notamment des journalistes. Donc là, je prenais clairement position. C'est justement ce reportage-là, alors que j'en ai fait plein, hein. Quand il y a eu l'histoire de l'homme au chapeau, on s'est focalisé sur ce reportage-là parce que je défendais justement le fait qu'on n'avait pas nourri des musulmans pendant le ramadan. Pendant 4 jours, ces gens n'avaient pas mangé parce qu'on ne leur servait pas les repas à la journée. Voilà. Donc ça, c'était une chose que j'avais dénoncée notamment et qui avait été repris en masse par les médias. Il se focalisait là-dessus en disant il apparaît avec une barbe finement taillée, enfin, c'est des genres de titres. Voilà, j'ai vécu après l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu avec l'histoire de l'homme au chapeau une diabolisation, clairement, pour me discréditer, clairement. Pour ne plus avoir accès à tout ce que peut avoir un journaliste, c'est-à-dire. La Commission européenne, le Parlement, etc. C'est vraiment vous mettre de côté et comme on ne peut pas vous retirer votre carte de presse ou le fait d'exercer et que vous êtes toujours sur le terrain, eh bien vous êtes arrêté administrativement comme il s'est passé notamment au camp Maximilien où je dénonçais certaines dérives dans le parc. Eh bien j'avais été arrêté à 6 reprises pour trouble à l'ordre public. Et puis finalement, le bourgmestre de la ville d'Ancien avait déposé un arrêté communal contre moi, etc. C'était une genre de diabolisation où il avait insisté dans cet arrêté en disant que j'étais un faux recruteur, etc., que je recrutais pour Daesh, ce qui était ridicule. Donc voilà, le mal est fait et on essaye de diaboliser. Et depuis, en fait, cette situation, la police a fait
en sorte qu'on me retire le micro clairement, en fait. C'est une genre de censure, clairement. On m'a retiré le micro parce que cette personne-là dénonce des choses qui sont réelles. Et nous, on ne veut pas ça. Voilà. En tout cas, ça dérange le gouvernement. Et donc, le gouvernement utilise la peur, justement, la répression policière, c'est ses outils, contre moi. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un chien enragé contre moi. Et on lui retire la laisse. Et il m'attaque de temps en temps. Et on récupère, voilà. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce que je vis. Et depuis, eh bien, je suis, entre guillemets, on essaye de tout faire pour que je sois infréquentable, pour que cette personne... n'a plus de crédibilité, et on fait pareil avec Tarek Ramadan. On discrédite. Et c'est, comme vous le voyez, tous les jours dans la presse, hein, tous les jours, on découvre des nouvelles choses, etc., bien, dans l'objectif de discréditer, de diaboliser une personne pour qu'on ne l'entende plus, pour qu'il ne soit plus invité, pour qu'il n'y ait plus de val. Ben, j'étais une maman comme tous les mamans. Quand je dis une maman comme tous les mamans, en fait, c'est le fait de se dire, voilà, la police n'est pas stupide d'aller tapasser des gens comme ça, bêtement. Et c'est en allant chercher mon fils que j'avais dit, oui, s'il a fait quelque chose, dites-le moi. Vous le gardez, ça ne peut lui servir que de leçon. Et quand on m'a fait sortir mon fils dans cet état, la première chose que j'ai dit, tu te vas garer. Il me dit, non, c'est lui. J'ai commencé à c'est lui. Il me dit, c'est la police, donc. Déjà sans médecin, sans me contacter. Donc mon fils, il est resté quand même 3h30 au cachot, quoi. Un enfant de 14 ans, donc dans un cachot. Et ils me l'ont montré avec fierté le jour où j'ai été visionner la caméra. Oh, vous voyez, madame, qui n'a rien. J'ai dit, oui, vous le mettez sur un trône ou quoi? Vous avez enfermé mon fils. Il me dit, oui, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Bon, ça va. Ben, depuis, je me bats pour mon fils, je me bats pour une justice. Je veux juste, franchement, juste qu'on reconnaisse que mon fils a été victime des bavures policières. Ils ne veulent toujours pas le dire, ils ne veulent toujours pas l'assumer, mais je suis contente d'arriver jusqu'au point de condamner au moins un. Un seul sur cinq, je l'ai au moins condamné. Je me suis dit, au moins il y en a un. Mais bon, il a quand même fait appel. Mais bon, mon combat va continuer. Franchement, tant qu'il n'y a pas de justice pour Mohamed, eh ben, je continuerai. Donc, on est en appel. On va passer. Bon, je n'ai pas une grande espérance qu'on va gagner. Je ne sais pas, j'ai ce sentiment-là. Parce que la justice, elle est quand même une vendue. Hein. Donc, comment vous expliquer ça, le jour du procès, en fait, c'est mon fils qui se faisait condamner par la police. Et le seul argument qu'ils avaient, c'est pourquoi ça n'allait pas à l'école. C'était son procès au lieu d'être... Non, c'était le procès de Mohamed. C'était mais vraiment le procès de Mohamed. Pour ceux qui ont assisté, ça y est, je me suis dit, c'est bon, on a perdu. Et quand c'était les autres policiers, le juge leur parlait... Mais d'une protection, d'un amour, bon, je sais pas moi, viens, prends une petite tasse de café, ça va, c'est bien. Ouais. Bon, on se poserait des questions. Et là, tu es en rage parce que ton fils, il est là, il est debout, il tremble, parce qu'il a. Mohamed n'aime pas parler, en fait. Mohamed, à part moi, il n'aime pas discuter, il n'aime pas parler, il n'aime pas s'exprimer. Mais rien qu'avec moi. Mais là, mais c'est dur, hein, attention. Hein. On me dit, mère combattante, oui, mais on ravale. Hein. Ça fait 5 ans et 3 mois maintenant. Mais il est marqué à vie, parce que les cicatrices sont là sur son visage. Et voilà, donc je pense que, bon, je n'ai pas raconté vraiment l'histoire, parce que je pense que tout le monde la connaît. Je le connais, donc c'est, comme dirait-on, un enfant de 14 ans, il se baladait, enfin, il trottinait de derrière la maison jusqu'au coin. Donc le temps qu'il fasse le tour, qu'il se fait tabasser par 5 policiers, menottés, défigurés. En hiver, donc, je suis contente parce que le médecin légiste explique que, voilà... Ils ont appelé même le médecin légiste pour voir les photos de ce qu'il en est avec Mohamed.
Et sur les photos, on voit qu'il y a des traces, parce qu'eux, ils ont déclaré qu'ils l'ont maîtrisé contre un mur, mais non, Moïd a été écrasé au sol. D'accord, il a été maîtrisé au mur, mais alors il va falloir nous expliquer qu'est-ce que cette botte fait sur son crâne. On voit la botte, on voit la semelle, on voit la semelle de la... Personne n'explique. Est-ce que c'était du karaté ou je n'en sais rien, c'est encore plus fort. Donc on ne sait toujours pas de ce qu'il en est, c'est la seule chose. Donc imaginez en hiver avec des pulls et on voit des coups de matraque, on l'a menotté avec des colsons, insulté, cogné la tête contre une porte parce qu'elle ne voulait pas s'ouvrir. C'est comme si c'était un passe, hein, la tête de mon fils, donc il fallait bien l'essayer de l'ouvrir avec quelque chose. Il fallait que ça soit avec la tête de mon fils. Ben voilà, ce n'est... mon combat continue pour mon fils et en espérant que, enfin, comme je dis, mon fils a été, il est là, mais qu'il m'a permis de me battre pour d'autres enfants, d'exprimer et de dire, voilà, battez-vous pour vos enfants. Mais la plupart laissent tomber, moi je les comprends pourquoi ils laissent tomber. Je leur en voulais, mais je les comprends d'un côté. Vous avez des pressions contre la police, la bourgmestre me téléphonait, j'avais le chef de corps sur le dos. Les policiers ont nargué, menacé gestuellement mon fils, et il était suivi. Et quand il y avait un contrôle, ah, c'est toi, Mourette? Oui, c'est moi, Mourette. Ah, ben, tu pourras dire à ta mère qu'on t'a contrôlé sans bavure, sans qu'il y ait rien du tout. En fait, il y a plein de petites choses qui arrivent, et voilà. Mais comme j'apprends à mon fils, je dis, ben, le jour où il te contrôle, eh ben, tu dis, voilà, tu donnes ta carte d'identité, et s'il y a quoi que ce soit, la première chose à faire, tu me téléphones. Mais lui-même se met à carreau, le pauvre, j'ai l'impression qu'il marche mur en mur, quoi, donc voilà. Et la seule chose qui a protégé mon fils, la seule chose qui a pu protéger mon fils, c'est le fait qu'il n'a jamais été connu par la police. Parce que c'est la première chose qu'on relève, hein. Parce que mon fils, au lieu d'être connu par la police, c'était une période de, on va dire, septembre, octobre, novembre, décembre, de 4 mois à l'école. Il y a quand même une crise d'adolescence qui se passe. Il n'avait pas envie d'étudier à cette période-là. Mais il avait le temps de rattraper. Mais la seule chose qu'ils ont relevée, c'est son comportement à l'école. Et attention, quand je parle comportement, c'est le fait qu'il s'absentait, qu'il était plus souvent à la maison, et que quand il répondait au prof, ce n'était même pas des bagarres ou quoi que ce soit. Donc ça n'avait rien à voir. Mais le comportement à l'école. Donc voilà, depuis je me bats pour mon fils et je me battrai encore pour mon fils. Je veux qu'il y ait cette justice, je veux que ça soit en ligne. Moi, j'ai été victime de bavure policière. C'est tout ce que je veux savoir, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas grand chose, je ne veux pas de leur argent. Parce qu'on condamne un policier à 3 mois avec sursis à 450 euros d'amende. Mais je n'ai pas besoin, j'ai payé plus pour les avocats. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient condamnés. Le besoin de justice qui ressort de ton témoignage et aussi la difficulté en tant qu'individu de pouvoir faire face à finalement toute une institution qui représente la police en tant qu'individu lambda, je dirais, un peu démuni face à cette grosse machine. Alors, ce qui ressort un petit peu des différentes interventions qu'on a entendues, c'est que effectivement derrière les choix sécuritaires qui sont opérés, ben il y a des choix politiques en fait qui sont à l'œuvre, des choix idéologiques. Et à ce titre, je dirais il y a deux options. C'est soit on sait bien qu'on vit une période un petit peu particulière au niveau fédéral, c'est la NVA qui gouverne, qui est quand même un parti particulier. Proche de l'extrême droite, certains même n'hésitent plus à dire que c'est un parti d'extrême droite, en tout cas, ouais, qui a des pratiques d'extrême droite. Donc, en termes de stratégie, est-ce que finalement pointer la NVA est suffisant, ou est-ce que, comme on a vu dans le cadre de Global Aroma, finalement,
C'était la descente a été orchestrée par la police de Bruxelles-Lille, une police qui est aux ordres d'un bourgmestre socialiste. Donc on voit bien que c'est que la question déborde finalement le cadre de ce parti qui est pointé finalement comme s'il était comme si la question sécuritaire et les violences policières étaient nées avec ce parti, mais qu'elle ne le transcendait pas. Est-ce que, en termes de stratégie, effectivement, viser la NVA est porteur? Est-ce que ça peut être un effet domino, donc de viser la tête, je dirais, de proue, un petit peu de tout ça? Et est-ce que ça permet par la suite d'avoir des résultats plus profonds? Ou est-ce qu'il faut viser un système plus global et pointer des responsabilités plus collectives par rapport à ça? Par rapport à la question de Sans Papiers aujourd'hui, là on vise de, normalement, il faut vraiment un projet, surtout sur la question de la régularisation. Pour nous, il faut un projet là où se retrouvent tous les acteurs, soit politiques, soit syndicaux, soit la société civile, qu'on se met d'accord sur une vision de régularisation qui va vraiment résoudre le problème définitivement sur la Belgique. On n'a pas le choix, comme des sans-papiers, bien sûr, le choix d'avoir soit les socialistes, soit d'attaquer l'NVA. Nous, on n'est pas dans le niveau de viser une parti politique. Nous, on défend un projet qui dénonce l'exploitation, en même temps qui met des questions de la société aujourd'hui ou qui met les citoyens aujourd'hui devant une réalité, des questions. C'est ça la vision. Et en même temps, de travailler sur un rapport de force qui va changer. Parce que pour nous, c'est des lois. Et peut-être ça va rester avec cette gouvernement de l'NVA et en même temps peut-être avec les socialistes. Et là, je reviens par exemple, en 2009, c'était la régularisation avec les socialistes qui n'était pas suffisant, qui nous amenait encore dans l'exploitation. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Il faut voir vraiment, nous comme des citoyens, comme des acteurs du terrain aujourd'hui, qui ce qu'on propose. Parce qu'on n'attend pas quelqu'un qui va venir avec son approche, son idéologique, etc., qui va t'amener vraiment ton besoin, ta revendication. Non, aujourd'hui, les mouvements qu'il faut vraiment voir une approche de qu'est-ce qu'ils veulent, les mouvements aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent, et comment on peut lier entre tous les acteurs pour avoir un rapport de force pour le changement des lois. Aujourd'hui, la question migratoire, tout simplement, il faut changer des lois parce que ces lois qui donnent ce pouvoir-là, soit à les policiers qui exécutent des ordres qui viennent d'en haut, et bien sûr, c'est ça le résultat de cette politique aujourd'hui. Le combat, c'est de combattre avec un projet alternatif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on propose, nous, comme des mouvements? Par exemple, comme j'ai dit, nous, dans le mouvement des sans-papiers, la régularisation à tous les sans-papiers, ça va vraiment supprimer les centres fermés. Tant qu'on parle sur les centres fermés comme un point noir aujourd'hui dans la société, parce que c'est un lieu où on enferme des gens qui sont... qu'ils n'ont rien fait tout simplement parce qu'ils n'ont pas un bon cachet dans le bon papier. Et en même temps, il y a un investissement économique qu'on dénonce aujourd'hui derrière tout ça, parce qu'on sait bien, nous, dans les expulsions, ça coûte beaucoup d'argent. Dans l'arrestation au centre fermé, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Et tout ça, c'est des intérêts des petites sociétés ou des grandes sociétés multinationales. Le centre fermé, c'est pas que les sans-papiers qui sont là-dedans. Oui, c'est des sans-papiers qui sont enfermés, mais derrière ces sans-papiers, il y a des sociétés qui investissent là-bas. On a 4 ou 5 sociétés qui sont vraiment fortes dans toutes les centres fermés
présence comme la surveillance caméra, tout ça, c'est une société qui vient d'en haut, qui vient pour vraiment contribuer dans le système. Et c'est ça le rôle qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Une expulsion individuelle pour expulser Saïd ou X au Maroc ou Y en Sénégal, ça coûte 28 000 euros. Tant que d'ici là-bas, c'est 150 euros, je ne sais pas. Alors, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas. Il faut les dénoncer. C'est ça ce qu'il faut viser. C'est pas que les partis, parce que les partis sont clairs. L'NVA, elle est claire. Elle est contre de régulariser quelque chose. Elle est contre de... Et là, une approche, vraiment, elle défend ses intérêts économiques, elle défend ses approches et sa politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que la partie de la gauche ou la société civile ou les syndicats aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent pour vraiment qu'on change la situation, soit au niveau d'immigration ou des sans-papiers ou de réfugiés ou de l'accueil, etc. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est ça où on a le problème. C'est que chacun à son côté, il défend, il est solidaire, il est, mais il n'y a pas vraiment une vision globale de tout le monde ou un point qui dise tout le monde, ok, on ne veut pas ça. Par exemple, dernièrement, on se mobilise avec 14 000 ou 10 000, seulement sous un titre de Théo Franken, il faut qu'il parte. Oui, c'est bien de mobiliser sur ça, mais après, comment vraiment on peut développer la question politiquement et amener vraiment qu'est-ce qu'on veut directement, parce que c'est pas que Théo Franken, c'est tout un organisme qui est là, qui faut le voir. Si on change, comme on a changé Maggie de Blog à Théo Franken, pour moi les mêmes, les deux, ils ont vraiment passé la même expérience, même si, voilà, chacun d'un courant politique. Merci. Juste encore une petite question pour toi, par rapport effectivement à la vague de solidarité qu'on observe, qui est à saluer, effectivement quelque chose de tout à fait nouveau qu'on observe et de massif pour l'instant. Comment est-ce qu'on peut, de manière concrète en fait, profiter de cette vague de solidarité pour l'inscrire dans des revendications politiques très concrètes et des revendications comme celles que tu viens d'évoquer, donc la régularisation et le changement de loi du cadre législatif qui permettrait ces régularisations. Comment, je dirais, prendre appui sur cette vague-là pour aller plus loin et formuler un vrai projet politique à partir de là qui ne s'arrête pas à l'humanitaire ou simplement de la solidarité très ponctuelle. Oui, c'est vrai, dernièrement, on avait vraiment toute une valeur qu'on a aujourd'hui, c'est la solidarité. Ça, ce qu'on a, hein, on n'a rien. Ce n'est pas nous qui décidons la politique, c'est pas nous qui... Mais on a un truc qui s'appelle la solidarité. Sans solidarité, vraiment, il faut savoir qu'il y aura des milliers de personnes qui vont vraiment se tuer dans... Voilà, on va les oublier, on ne va pas les voir, etc. Mais avec la solidarité, ça montre que les citoyens aujourd'hui, et pose des questions de c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, comment. Le comment, c'est ça, c'est bien d'avoir une vague des gens, des citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui viennent au parc Maximilien avec leur panier et donner quelques trucs, aider, etc. Mais ça, c'est le rôle des militants et des acteurs du terrain. Comment, c'est la question. Ça se pose pour ces militants. Comment on peut développer la relation entre les citoyens et les acteurs et la question? Comment on peut lier ça entre... Alors, il y avait au parc Maximilien, comme vous le savez bien, il y avait le concept de la plateforme citoyen qui n'a pas vraiment fonctionné bien comme on veut à cette époque-là, parce qu'il y avait tout un débat qui était amené par les sans-papiers, un débat politique, parce qu'à cette époque-là, nous, les sans-papiers, on dit, hé les amis, on sait bien que le gouvernement de Charles Michel, il a voté contre la reconnaissance des Irakiens et des Afghans comme des réfugiés politiques ici en Belgique. Et t'as la plateforme qui disent non, les sans-papiers sont jaloux des nouveaux arrivants, c'est pour cela qu'ils disent ces rumeurs-là.
Après trois ans, on a vu que la plateforme qui sort avec un communiqué de presse qui disait oui, Theo Frankel a refusé de donner le... Alors, c'était vraiment une approche qu'on a amenée, nous, dès le début, parce qu'on voulait créer un rapport de force au sein de, je crois, Faisal était là, au sein de Pâques Maximilien, pour, premièrement, pour dénoncer l'accueil, parce que il y avait un discours dans les médias ce jour-là que l'Europe accueille les réfugiés. Alors, on veut montrer cet accueil que c'est pas l'Europe, c'est pas les États européens, c'est les citoyens européens qui accueillent, même si l'accueil à cette époque-là, si vous souvenez, à cette époque-là, au Parc Maximilien, c'était vraiment dans une situation inhumaine, etc. Mais on l'a gardé pour accueillir ces gens-là et pour dénoncer le discours qui passe à ce moment-là. Alors, dans cette époque-là, on veut vraiment amener une approche politique pour dire stop à cette politique migratoire aujourd'hui. Il faut appliquer la loi du Dublin, il faut appliquer tous les conventions des droits de l'homme, si on parle aujourd'hui dans des pays occidentaux, avec le droit de l'homme et la démocratie, il faut appliquer ça. C'est ce qu'on a vraiment constaté au terrain à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, de rassembler les visions qui sont soit dans la voie de lutte, de l'aide de l'être humain, etc., l'approche de l'aide, etc., avec d'autres réflexions qui sont là pour, au niveau politique. Par exemple, à ce niveau-là, par exemple, nous, dans le cadre de la plateforme soutien aux sans-papiers, on a toute une réflexion politique et une proposition d'avoir une solution d'ici au moins 5 ans. Alors, c'est une stratégie de lutte d'avoir changé les lois qui vont cadrer la régularisation dans l'avenir. Et en espérant parce qu'on se rencontre avec d'autres courants, comme la plateforme se soutient, s'il y a des manifestations, s'il y a des rencontres. Mais jusqu'à maintenant, il faut vraiment travailler sur comment on peut créer ces liens concrets et amener toute une vision de toute la société civile. Et c'est ça notre rôle comme des acteurs. Merci. Nisha, je te posais une question sur les stratégies politiques. Il ne faut pas croire que les violences policières sont arrivées avec la NVA. Hein. Les violences policières existaient bien avant la NVA. Par exemple, là, j'ai sous les yeux les chiffres du comité P, qui est dans son rapport de 2016, un peu, qui faisait un état des lieux des plaintes pour les dossiers de violences policières au niveau de ce comité, donc cet organe de contrôle externe des services de police ici en Belgique. Et par exemple, on voit qu'en 2012, les dossiers de plaintes concernant les violences policières, il y avait 576 dossiers au niveau du comité P. Bon, avec les chiffres, il faut toujours relativiser. Hein. Ça ne veut pas dire que ces 576 dossiers représentent le nombre de violences policières ici en Belgique. Hein. Donc, il faut toujours relativiser avec les chiffres. Et en 2012, NVA n'était pas au pouvoir. Donc, voilà. Donc, la NVA n'a pas donné naissance aux violences policières. On va juste dire que la NVA a donné les arguments pour pouvoir justifier les violences policières. C'est-à-dire que avec la NVA, a très bien compris que la police était le bras armé du gouvernement. Et donc, ils vont l'utiliser jusqu'à l'user même. Et on constate, quand on parlait par rapport au parc Maximilien, les arrestations ciblées des réfugiés, on a eu des policiers qui sont dit, nous, c'est pas ça notre boulot, par rapport aux visites domiciliaires, où on a eu un communiqué de presse. Donc, c'est vraiment, la NVA va utiliser jusqu'au bout, c'est l'arme qu'on lui a confié, parce que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même la NVA, donc il va l'utiliser jusqu'au bout. La NVA permet juste de justifier une politique fasciste, une politique raciste. Donc c'est pas avec la NVA que nous allons faire, en demandant la démission de la NVA, qu'on va faire cesser les violences policières, mais on dénonce juste les propos racistes, la fascisation de la société qu'amène la NVA. Et donc c'est une véritable
On doit revoir le système de contrôle, notamment de mise en place pour contrôler les policiers qui ont usé de manière illégitime, qui ont eu recours de manière illégitime à la force. Tout à l'heure, madame nous parlait de son procès. Toute la difficulté que les victimes ont d'aller jusqu'au procès, les victimes doivent payer elles-mêmes leurs avocats, alors que les policiers, eux, ont un avocat du syndicat. Donc, déjà, le frein financier pour les victimes d'aller jusqu'au procès, ça, c'est un véritable problème. Et le fait aussi, on a ce sentiment un peu au sein de la population d'impunité de la police. Mais à quoi ça sert d'aller porter plainte? Ça va m'emmener où? Et souvent, les personnes laissent tomber parce qu'à partir d'un moment, on a ce sentiment que ben, la parole du policier compte plus que ma parole à moi. J'ai été victime, j'ai des coups, ça se voit, mais il suffit que lui, il dise, ben, nous, il est tombé. Et là, oui, ben, il a dit qu'il est tombé. Et souvent, on se rend compte aussi que les policiers, ben, quand une victime dit, attendez, je vais aller porter plainte, vous allez voir, paf, une plainte pour rébellion. Tout d'un coup, comme ça. Pour empêcher justement les personnes de dénoncer un système qui, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir, la violence policière est un abus de pouvoir. Et tant qu'on ne met pas en place un système qui revoit la formation des policiers, un système qui revoit le contrôle existant au niveau des services de police, par exemple quand on voit que pour les expulsions dont Saïd parlait tout à l'heure et quand il nous a parlé de Semira Adamou, les policiers qui raccompagnent, comme ils disent très bien, les personnes en situation irrégulière ici en Belgique, ces policiers ont fait le choix de pouvoir prendre des vacances au soleil, hein, on a tous entendu ces policiers qui réservaient des vacances. Et donc, on a cette utilisation d'un but, d'un objectif entre guillemets légitime, c'est-à-dire de protéger les citoyens, en invoquant le mot magique pour l'instant, c'est terrorisme. On va dire, on va donner cette impression un peu aux citoyens de maîtriser les choses, de contrôler les choses, mais on ne va pas s'attaquer au vrai problème. En visant la NDA, on dit juste attention. C'est juste attention. Mais ce n'est pas en faisant tomber la NDA qu'on mettra fin aux violences policières. Comme je le disais au début, la NDA n'a pas créé les violences policières, mais elle légitime juste cette violence policière. Que les policiers reconnaissent d'avoir commis des violences policières. Reconnaître entraînera d'autres conséquences parce que quand on reconnaît avoir enfreint la loi, ben, ça implique des responsabilités tant sur le plan disciplinaire que sur le plan pénal et sur le plan civil. Donc reconnaître avoir commis des violences policières, ça a plus de conséquences que juste de se faire de dire oh, je suis désolée, écoute, non. Voilà, moi je demande réparation, j'ai été victime d'une injustice, je demande réparation. Et plus souvent, ce qu'on constate, c'est que, en fait, les victimes de violences policières sont victimes d'une double injustice. La première injustice, c'est ces policiers qui sont censés faire respecter la loi, censés nous protéger. Ben, ils violent la loi en nous tabassant. Et la deuxième injustice, c'est les non-lieux. Là, c'est la société représentée par le juge qui vous dit, mais écoutez, non, on n'a pas de preuve. Et la question de la preuve encore en matière de violence policière, ça aussi c'est quelque chose qu'on constate, que les personnes qui sont victimes de violences policières, on leur dit sous insuffisance de preuves. Mais pendant que tu es en train de te faire tabasser, est-ce que tu as le temps de regarder, alors ce policier, son matricule, c'était ça, alors il avait un signe distinctif, c'était à telle heure, on n'a pas le temps de penser à tout ça, on veut juste se protéger des coups qu'on reçoit. Et donc, sincèrement, notre justice a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire en matière de lutte contre les violences policières, et les organes de contrôle des services de police ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, parce que le constat est que malgré 3 organes, que ce soit le comité P, que ce soit les services internes, de contrôle ou l'inspection générale, on a l'impression encore dans la société, cette impunité du policier, ça je n'arrêterai jamais de le dire, cette impunité, cette banalisation en fait des violences policières, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, mais également au niveau auprès des citoyens. Mais là, c'est pas grave, mais non, tu vas pas aller porter plainte après, qu'est-ce que ça va te ramener, qu'est-ce que tu vas y gagner. Mais le souci, c'est que quand on ne dénonce pas, on justifie en quelque sorte un système répressif, un système qui viole les lois. Donc la meilleure manière de lutter contre les violences policières, ce n'est pas de faire tomber la NDA.
la meilleure des manières, c'est de dénoncer. On n'a pas d'autre choix. Pour que notre voix soit entendue, pour qu'il y ait un changement dans la société, il faut changer le rapport de force. Le rapport de force, on le change en dénonçant justement, en essayant d'aller vers les gens, expliquer « voilà ma situation ». Ce que vous faites un peu, toi par rapport à ton fils, toi par rapport à ta situation, dénoncer, 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 porter plainte, porter plainte. Même s'il y a un non-lieu, il y a une trace de cette plainte. Les chiffres, ça parle. Vous aimez bien les chiffres, hein, les politiques. Donc, plus on dénonce, plus on se rend compte qu'il y a un problème dans la société, parce que tant qu'on n'est pas dans le milieu, tant qu'on n'est pas nous-mêmes directement concernés par cette problématique, on ne s'intéresse pas à la question des violences policières. Le policier est là pour me protéger et il fait bien son boulot, point barre. Si tu t'es fait arrêter, c'est que tu as fait quelque chose. C'est ta faute, c'est toi qui as commencé. On ne peut jamais en fait imaginer que c'est le policier que tu te baladais tout simplement et puis à un moment, ne mets pas ta tête et qu'il décide de te frapper. Dans l'imaginaire collectif, c'est impossible. C'est pas possible, le policier, pour t'arrêter, ce que tu as fait quelque chose. Ah ben, sûrement que tu n'avais pas ton permis de conduire, ou sûrement que ton assurance n'était pas en règle. Non, ils t'ont emmené au commissariat hein, parce que tu traversais ou que tu faisais de la trottinette. Mais non, c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment changer, la meilleure manière de changer l'imaginaire collectif face à cette banalisation des violences policières, face à ce sentiment d'impunité de la police, c'est oser pousser la porte des commissariats pour porter plainte contre des policiers. Pour justement faire entendre que, non, une gifle dans un commissariat de police, c'est pas un geste banal. Oui, mais c'était un coup préventif, c'était justement, je sentais qu'il allait se rebeller. Une petite... Non, on est en démocratie. On est censé être en démocratie. Il y a des règles. Ces règles s'appliquent également aux policiers et il faut les faire respecter. C'est clair, les sans-papiers, par exemple, aujourd'hui, ne peuvent pas y aller pour des plaintes contre leur employeur. Moi, je connais quelqu'un qui doit vraiment à son employeur presque 35 000 euros parce qu'il a travaillé presque 2 ans avec lui, il n'était pas payé, voilà, c'est toute une histoire. Et là, il n'arrive pas à y aller pour des plaintes tout simplement parce qu'il a la peur d'être arrêté. Et c'est clair, n'importe quel sans-papiers qui va y aller à la commissariat pour porter plainte, il se fait arrêter, le lendemain, il est au centre fermé, ça y est. Et le cas de Mounir, je crois que vous connaissez un camarade qui s'est arrêté dernièrement à Globaroma, qui s'appelle Mounir, c'est un syndicaliste qui était vraiment jusqu'à maintenant, il doit d'un employeur 25 000 euros. Hier, c'était leur dossier dans la chambre de la justice. Aujourd'hui, la question, est-ce qu'on est dans un état de justice? C'est ça ce qui prouve que toutes les thématiques qui sont là aujourd'hui indiquent qu'on est dans un état d'injustice. Comment on fasse à ça? C'est de, comme Michel a dit, qu'il faut dénoncer tous les actes. Nous, on essaye de dénoncer ça partout dans les réseaux sociaux, etc. Toutes les arrestations. Surtout avec un site de Beating the Voice qui indique chaque jour les expulsions et les cas des arrestations et les cas des expulsions qui sont inhumains. Alors chaque jour, il y a un site vraiment, il y a tout un groupe qui travaille sur ça pour dénoncer cette manière de l'injustice et en même temps de s'organiser avec les gens qui sont là, qui sont dans la cause. Et sans papier, si on dit peur, oui, peur, mais comment on le fait sortir de cette peur? Alors c'est de le faire s'organiser au sein de son lutte. Et après, voilà, la peur, ça va vraiment avec le temps, ça va vraiment... Il n'y aura pas de peur parce que... Il va voir que la conscience de défendre, de combattre ses droits, c'est vraiment d'installer la dignité dans la société, d'installer la justice de cette société. Et c'est ça le rôle, c'est de la conscience. Comment on peut faire conscienter des gens dans leur cause et en même temps les s'organiser autour de ces causes. Michel, donc comment s'organiser collectivement et dépasser ce climat de peur qui paralyse? Alors, il faut savoir que cette question de la peur est une question qui traverse un peu
toutes les questions de mouvement social. Par exemple, nous, en race, où on a un service de première ligne, donc le service juridique qui s'occupe des personnes victimes de racisme et de discrimination, on se rend bien compte que, et à un moment donné, il faut sortir de l'individuel et arriver au collectif. Tu n'es pas le seul à vivre cette situation. Il y en a plein d'autres, comme toi, qui vivent la même situation. Et donc, c'est un peu être solidaire avec l'autre. Par exemple, quand Saïd parle des personnes sans papier, quand elles se rendent dans un commissariat de police, même pour porter plainte parce qu'elles ont été victimes d'une infraction, à tout moment, ces personnes risquent de se retrouver en centre fermé. Et par exemple, quand des sans-papiers sont convoqués au commissariat de police, ben, que ce soit des sans-papiers, alors qu'ils sont devant un commissariat de police et ils risqueraient de se faire arrêter et être expulsés, des sans-papiers sont là avec des soutiens pour soutenir les autres sans-papiers qui sont à l'intérieur du commissariat pour s'assurer qu'ils vont ressortir de là. Donc c'est vraiment une question de solidarité. Si tu ne le fais pas pour toi, et ça c'est une jeune une dame qui était venue au MRAT pour porter plainte pour racisme et discrimination, elle m'a dit, je viens porter plainte, pas pour moi, c'est pour mes enfants. Je ne veux pas qu'après que mes enfants me regardent et disent, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose? Parce que regarde, nous aujourd'hui, dans quelle situation on est, est-ce que tu as osé faire quelque chose? C'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. Même moi, quand je vais en manif, j'ai peur. J'espère rentrer chez moi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais j'y vais quand même. Parce qu'on ne peut pas se dire être citoyen quand on n'exerce pas ses droits. Un citoyen, c'est celui qui exerce aussi ses droits. On n'a pas que des devoirs. On a des droits. Et le droit, c'est de se faire respecter également. Peu importe qui est en face de moi, que ce soit un policier ou que ce soit un politicien, j'ai droit au respect. C'est pas parce que je manifeste que tu as le droit de me casser la gueule. C'est pas parce que je suis arabe que tu as le droit de me casser la gueule. C'est pas parce que je suis noir que tu as le droit de me casser la gueule. Respecte-moi dans ma dignité humaine. Et tant que nous, les potentiels victimes de ces violences policières, on ne sort pas. Il n'y a pas eu de changement dans la société sans lutte. Hein. C'est pas en restant chez nous, en se disant ben, « j'ai été victime de violences policières, je vais me taire », que les choses vont changer. C'est moi aujourd'hui, demain ce sera ma fille, après ce sera mon petit-fils, et ainsi de suite. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir, il faut sortir à un moment donné de cet état, de se dire « je suis le seul ou la seule concernée par ce problème ». Non, plusieurs personnes sont concernées, mais il faut juste oser sortir. Si toi tu ne veux pas, par exemple, être mis dans la presse et être le porte-voix des victimes, mais tu peux quand même témoigner. C'est pour ça que nous, quand on reçoit des personnes victimes de violences policières, on les renvoie vers le site OBSPOL, Observatoire des violences policières. Si vous ne voulez pas aller plus loin en portant plainte au niveau de la police, mais au moins allez apporter un témoignage auprès d'OBSPOL, parce qu'il faut des traces de ces violences policières. Ce n'est pas en restant muet que les choses vont changer. C'est maintenant qu'il faut sortir, c'est maintenant qu'il faut dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas, on dit toujours qui ne dit mot consent. C'est-à-dire qu'on légitimise quand même cette violence policière, cette injustice, cette double injustice. On s'organiser contre les violences policières en témoignant du vécu, en s'organisant de quelle manière? Eh bien, en unissant nos forces, tout simplement. Parce qu'on commence à devenir nombreux. Voilà. On est de plus en plus nombreux à être violentés par la police. Donc fatalement, ça va créer, même si la peur est ancrée, la peur passe. Et après, il y a l'organisation. Donc oui, j'encourage moi tout le monde, tous ceux qui sont victimes de dérives policières, à dénoncer pour mettre fin à ça. Et en fait, je peux comprendre aussi le fait qu'on a peur de... C'est ce que je disais tout à l'heure, je peux comprendre le fait qu'on a peur d'aller faire des démarches, comme tu le disais, d'aller au commissariat, alors que par exemple on est sans papier et qu'on peut risquer de se faire expulser. Eh bien, il y a des choses qui sont... Voilà, il serait temps de s'organiser pour pouvoir être à front commun, en quelque sorte, contre ces violences policières. Et pour vous donner un exemple concret du fait que ça marche, eh bien, il y a notamment Human Rights Watch qui m'avait soutenu, enfin, où j'ai témoigné, donc il y avait un rapport qui a été fait, ils ont fait un rapport où ils ont dénoncé les dérives totalitaires, notamment liées à la question terroriste,
Et ça a fait beaucoup de bruit dans le sens où c'est international. All power to the people. All power to the people. All power to the people. All power to the people.